Bonjour les gamers, ici c'est LV35 pour une nouvelle vidéo, le 50e MC4Play. Un MC4Play particulièrement festif parce qu'il est sur Splatoon avec enfin une image correcte. Bon, pour le son par contre on promet rien. Et même si les FPS sont un petit peu limités, c'est pas très très grave, voilà. 50e MC4Play sur Splatoon et coïncidence particulièrement cool pour un MC4Play plutôt festif de par son nombre. Il est durant un Splatfest, un festival dans Splatoon. Le concept des festivals dans Splatoon. Attends, mais donc là il y a Frosty, on est avec Frosty qui tient le gamepad. Bonjour à tous et à toutes, c'est Frosty29, comment ça va? On t'entend pas à cette distance, je pense. Et bonjour à tous et à toutes, comment ça va? C'est Frosty29. Voilà, donc voilà. Ce Splatfest là oppose deux camps, à savoir Patrick et Bob l'éponge. Ils ont des idées. C'est eux là. Oui, des idées totalement dingues. Frosty a choisi de choisir Patrick. Parce que c'est bien le rose. Et donc du coup les matchs seront un petit peu différents, ils opposeront ceux qui préfèrent l'un ou l'autre des personnages. Et pour y aller, bah, je vais cliquer ici parce que tu as l'air de te balader au hasard avec une caméra planchée. Équipement. C'est peut-être pas le moment. Okay, on va lui apprendre à jouer à Splatoon dans un festival. J'ai jamais joué. Hein. Il n'a jamais joué à Splatoon, mais on va lui apprendre. Okay. C'est le concept de ce MC4Play. Donc comment on tire? Là on vise et là on tire? Là on tire, là on se met en calmar. Et là on tire, il n'y a pas de visée. Non, là on tire, il n'y a pas vraiment de visée, non, bah tu le démarres. Ça se met au skill, quoi. Et puis il y a ça pour sauter, évidemment, et 2-3 autres trucs, et puis la caméra qui se règle avec les joysticks. Trop de choses. Attends, saut chargé. C'est là. Ça c'est pour le mini-jeu qu'il y a sur le gamepad, en fait. Jouer. Ouais. Non, c'est faux. Allez, oui, c'est un petit jeu sur le gamepad, on va pas vous filmer le gamepad non plus. Hein. Ouais, voilà. Bon, alors, on est dans la carrière de clavier. La carrière caviar. Caviar. Ah, non, pas la carrière de pierre gérée par Christian Clavier, non. Ok. Alors, ça se gère au gyroscope. Pourquoi on tire? La caméra se gère au gyroscope. Ah non, bah non, non, pas ça. Non. Désolé, frérot. Feu! N'oubliez pas que le but c'est de fraquer ses adversaires, de mettre le plus de couleurs possible, et là, je crois que t'es dans la merde. Hein. Oh putain, mais il a du skill en fait, moi j'aurais même pas pu faire ça. Bon, en même temps, je suis pas très habitué des TPS, hein. Splatoon est le seul auquel j'ai joué. Le problème c'est le gyroscope. Ce qui me dit très. Ah, j'ai tombé! Il est désactivable, mais dans ce cas, faudra que tu utilises quand même ce stick. Ce stick, tu peux utiliser quand même. Monsieur. Ah. N'oublie pas que tu peux te mettre en calmar pour aller plus vite dans ta partie. Tranquille! Oh, il est mort. Je suis mort. Il faut que je comprenne la physique du jeu, bien sûr. Et n'oublie pas que pour tourner ta caméra vers la gauche ou la droite, tu utilises plutôt le stick. Tiens! Il n'y a personne. Et que pour le haut et pour l'axe vertical, c'est plutôt le gamepad qu'il faut orienter. Tiens! Malandrin! Allez! Attends. Tu arriveras pas à faire cette distance. Ah, fais gaffe. Je crois que t'es un peu dans la merde. Retraite! Bon, ben, t'es sûr qu'on peut pas enlever le gyroscope? Attends, par contre, juste un truc. Pas en cours de partie, mais. Voilà, j'utilisais l'arme que tu avais réussi à charger en... Ah, on me tire dessus, allez. Tu veux quoi, toi? Ah, il est pas là, c'est faux. Là, par contre, t'es... C'est pas dans la merde, là. Non, je fais rien. Ah, mais je vois rien. J'en ai marre du gyroscope, je vais mourir. Ouais, sur la prochaine partie, on retire le gyroscope. Parce que là, moi, j'ai l'habitude de jouer au TPS, mais pas... Pour l'instant, vous menez pas vraiment, hein, mais... J'essaierai de rattraper ça à la partie suivante. Hein. Où je vais être... Oui, on va essayer de faire en sorte que je joue un peu quand même, parce que sinon... Ouais. Mais t'as pas les meilleures armes, non? Ah bah... C'est compliqué, il y en a plein maintenant. Mais t'as pas, à part ton pistolet, là, de... Ce pistolet-là est déjà pas mal, hein, franchement. Ouais, mais il y a pas autre chose, genre un sniper ou je sais pas. Ah si, il y a des snipes. Oh! Mais c'est très particulier comme gameplay au sniper. Comment? C'est très particulier comme gameplay, le sniper. Hein. Oh, j'ai liquidé quelqu'un. Bien joué. Ouais, mais j'ai pro player. Ça te fait deux frags. Tiens, lui, il est au sniper, typiquement, au corps à corps, il peut rien faire, donc avec un peu de chance, tu peux avoir. Voilà. Monsieur OMG. Alors, monsieur plutôt OMG. Plutôt Mrs. OMG. Ah, oh. Eh, oh, c'est pas équilibré. Oh, si, normalement, si, mais... Ah oui, mais c'est bien. Oh, il y avait une tornade. Les environnements sont plutôt jolis. Oui, c'est pas comme ça qu'on parle Ikling, mais ils ont créé toute une langue cultive avec tous des petits borgorigues. 19
7, Allez. 6, Rumble. Je suis en PLS. Bon, on va enlever gyroscope parce que là. Ouais. C'est pas que je suis. Je vais faire une partie avec le gyroscope, puis je vais t'enlever pour la suivante. Tiens, je te donne le gamepad. Le gamepad. Le gamepad. Comme on est très français, on dit gamepad. Le gamepad. Le gamepad 2. Ou le chat. C'est pas ton chat. Il s'appelle Charbitre. Oh, trop EMG. On a... ouais, ouais, bah, vous avez gagné, vous avez gagné. Bien joué, Rabou. Et t'es deuxième de la game quand même, hein, je te ferais dire. Le skill était présent pendant quelques minutes. Ou c'était eux qui étaient trop nuls. Ouais. À ce niveau-là, on va être super fort dans la team okay. Patrick. Alors par contre, ça va être compliqué de faire des scores incroyables parce que... comment dire. Le seul souci, en fait, c'est que un Splatfest, c'est le week-end. Donc du coup, il a commencé hier. On est en fin de journée de dimanche, là, donc... C'est pas grave, on va rusher comme un gros... Oh putain, mais il faudra que je fasse mes devoirs éventuellement, maintenant que j'y pense. Ah, fin de dimanche, je les ai pas finis, moi. Oh, eh, hey, bravo. Oh, tu étais presque. Ah non, c'est bon, t'as réussi. Goal, mais on est pas dans le foot. Goal, ça veut dire but. Hein. Tu peux pas choisir atteindre le but, quoi. Non, on peut pas choisir la map. Ah, j'aimerais bien que ce taille. Le matchmaking, si t'as l'habitude des jeux sur PS4, le matchmaking de Splatoon, il est carrément à la ramasse. Hein. Mais en même temps, c'est Nintendo, ils ont pas l'habitude de online. Hein. Pas trop, non. Tout Mario, tout ça, c'est pas très online, tout ça. Si, Mario Maker, mais pas vraiment. Fin... Ben, c'est pas du pas bien joué, d'ailleurs, Mario Maker, au niveau de l'online. Hein. Mm. Ah, ça commence. C'est pas trop mal, on va dire. Mais quand même, que pour accéder à Nintendo, t'as besoin d'un code à 16 chiffres. Hein. C'est un peu particulier. Sur la mine marine cette fois-ci, c'est un level design assez particulier comme tu peux le voir sur la map. Ah oh oui, c'est très bon. Oh le mec, c'est quoi qu'il a? Il a un... Ils ont un meilleur power estimé que nous. C'est-à-dire qu'ils ont plus de skill, plus d'expérience en tant que Bob l'éponge. Je veux dire, il avait une putain d'arme trop belle. Merde. Alors oui, c'est moi qui joue, ce n'est plus Frosty. Sinon, donc, moi je pense que ça sera un noob. Oui. Oh trop bien. Et bim, tu vas aller direct dans le zone. Et j'ai l'impression que notre équipe gère, mine de rien. J'ai l'impression qu'on a bien fait de choisir cette équipe là de. C'est trop génial quand tu montes sur les murs comme ça. Vas-y, fais gaffe à son rouleau. Oh putain, il t'a rect. Il m'a rect. Il s'aurait pas aimé. C'est moins qu'on puisse dire, il m'a rect, il m'a rect. Oh le chat qui. C'est la rect qui se lèche. C'est ça que j'avais vu tout à l'heure. Attention. Oh. C'est sérieux le cybermat là qui. Oui j'appelle ça un cybermat tout simplement parce qu'il y a la même chose dans Doctor Who. Un peu de choses. Oh sérieux. J'ai l'impression qu'on est en galère. J'ai l'impression qu'on est en galère. On peut pas être sur tous les fronts à la fois. Et là tu spawns et bim easy. Il a essayé de me spawn kill mais il n'a pas réussi parce que j'ai du skill contrairement à lui. Non. Non. En même temps, ça te jouait tellement peu, là. Non. 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 Comme dirait The Creepy, non. 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 Si vous connaissez pas les références, bah, cultivez-vous un petit peu. Ouais, c'est tout ce qui est YouTube Pop, tout ça, c'est très rigolo. Vous allez découvrir un super monde. Vas-y. Oh, c'est fou. Je vais te baiser. Non. Regarde, quelle feuille. Oh, c'est une feuille. Non. C'est un calamar. Wow. C'est quoi ça? Oh, le campou, ouais, la campouse. Il campe pas, il t'en prie. Oh, j'aurais pas aimé. Il a fait quoi là? Non, c'est un autre qui était là qui m'a eu avec la même arme que j'ai d'ailleurs. Encore une minute. Allez, plus qu'une minute à tenir. On mène à peu près, je pense. En tout cas, ce jeu est bien fait. Hein. Enfin, il est bien pour ce qui est Nintendo. Eux, ils ont l'habitude un peu des jeux en 2D. Hein. Ça dépend, ils ont fait bah, des trucs. Il y a hein. Eu Mario 3D, ouais. Il y a eu des Mario 3D, je veux dire Mario 64, c'est pas oui, mais je veux dire. Sunshine, enfin, pareil, 3D Land, c'est pareil. Oui, mais je veux dire, à part des Mario. Ah bah, et Ocarina of Time. Oui. Mais là, on parle pas des mêmes. On parle d'un fan de Zelda. Non, je veux dire, on parle pas des mêmes. Des mêmes équipes. Producteurs, hein. Ouais, des mêmes équipes. Des mêmes équipes. Alors, je crois que c'est Miyamoto derrière Zelda aussi. Hein. Oui, le scénario. Alors, après, c'est pas Miyamoto derrière Splatoon, c'est-à-dire que. Après le développement, bah, tu sais, c'est des super grandes teams chez Nintendo, hein, on peut pas. T'es pas dans ma team. Et bah, je crois qu'on a gagné. Je crois que vous les avez aise. Mais maintenant, tu vas enlever directement ce giratoire à la. Gyroscope. Ouais, mais ce mouvement giratoire. Mais comment ils ont fait ça? OMG.
Vous voyez pas sur le minimap, mais il y a des types qui sont infiltrés dans notre base. C'est une taupe. Ah là, vous voyez sur l'écran. Il y a une taupe dans l'organisation. La danse, j'aime bien la danse. La danse. Mais on a gagné quand même, donc rien à foutre. Bon, maintenant, tu enlèves le gyroscope de... Le chat est une fougère, il n'est plus là. Bon, chat, toi. Le chat est une fougère, vous venez de l'apprendre. Ah oui, et le chat est une fougère, Frosty 2015. 2016, putain, je suis con. Non. J'ai dit 2015, alors qu'on est en 2016 un peu. Bravo! Bon. C'est bien le lag. T'es niveau 32 avec le mec qui a à peine rushé le jeu. Ah, bah ça fait longtemps qu'il est sorti, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Tout. Allez, on enlève le gyroscope. Le gyroscope. J'hésitais entre les deux. Le Jiraya. Le Jiraya et Skyheart. Allez, si vous connaissez pas. Mais ayez de la culture un petit peu! Ayez de la culture. Vas-y, fort les armes, y'a quoi? Alors, pas un truc bien. On a les rouleaux. Et ça, je vois ce que c'est ça. C'est, oh, il y a un. Ça, voilà, ça lance patate. Calibre 2000, ça c'est un Predator. Ça c'est. L'aérogun, c'est une arme qui a été très à la mode pendant assez longtemps. Mais qui est aujourd'hui un peu has-been. Un marqueur. Pas un truc mitraillette un peu, non? Mitraillette, bah c'est un peu. Bah, nettoyeur, ça peut être fait comme ça. Mitraillette, si on veut. J'ai pas acheté énormément d'armes. Hein. J'ai pas acheté énormément de matos d'une manière globale, mais. Vas-y, enlève le gyroscope. Le Jiraya. Oui. Je vais enlever Jiraya. Arrête parce que Jiraya c'est l'un de mes vraiment youtubeurs préférés. Avec Godelire et Vodka Prod. Après si vous connaissez pas. Ok, peut-être moi, que vous connaissez moi. Mon youtubeur préféré perso c'est Jalonimous et Pianizza, mais chacun ses goûts. Mais après, Godelire n'est pas très connu à part qu'il connaît Amixem et tous ses copains là quoi. L'un qui était raciste. Et genre assez famous hein. Yep. C'est bon, c'est plus Jiraya quoi. Waouh. C'est les êtres qu'on a vu dans l'introduction du jeu. Ouais, je sais, j'ai vu. Elle aussi. Yep. C'est la danse. La danse du pan. C'est la danse. Ouais, bah c'est un moment festif, une fois par mois, il y a un festival comme ça. Bah, on a eu de la chance. Ouais, on est tombé pile poil dessus. Et c'est quoi là? Bah, c'est où tu danses ton train. C'est le dance floor. Arrête de faire ça. De toute façon, on te voit pas dans la vidéo. Hein. Justement. J'ai désactivé le gyroscope, maintenant tu te démerdes. Yeah, je vais défoncer. Comment on joue? Tu es spécialiste en Patrick. Comment je dis ça? Comme ça. Tu joues avec un virtuose en Patrick. Au revoir. Et maintenant on attend la team Bob l'éponge. Je suis mort. De toute façon il y a trop de... C'est pour ça en fait il y a trop de Patrick, il n'y a pas assez de Bob l'éponge. Bah non, il fait matchmaking dans un certain ordre. Là on a toute la team Patrick en place, on cherche une autre team Bob l'éponge en place. Pour que les deux se rejoignent. Voilà. Comme maintenant. Oui. Unicorn. Oh c'est faux. Du coup ouais, c'est celle-là la visée maintenant du coup. Hein? C'est comme ça la visée du coup maintenant. Ouais. Yeah. Enfin. Oh non, encore la caverne de Christophe Clavier. Oh là là. Du coup j'ai une mitraille maintenant. C'est pas Christophe en plus hein. C'est Christian. Christian Clavier. Du coup. Ah oui. Ah j'ai. Ah oui. Eh c'est gagné. Ah oui. Faut peut-être dans la flotte avec la gâchette gauche. Ça permet d'aller plus vite en plus. Yo. T'es un petit peu dans... Oh ah. Oh lui, t'es avec son pinceau là. Non, c'est sa sœur. Lui, il a reçu. C'est des pinceaux. Des pinceaux. Ouais. Et pinceaux brosse. T'appuies sur un point de la map, mais pas n'importe lequel, faut que ce soit sur un joueur. Genre là. Oui. Fais gaffe, c'est du monde hein. Oh lui tu peux rien faire. C'est quoi lui, c'est quoi ça? C'est une taupe. C'est un kraken. C'est son attaque spéciale, toi ton attaque spéciale finalement là c'est... C'est la mort. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, avec cette arme là c'est une autre arme spéciale qu'il y avait tout à l'heure. Avant c'était une méga fusée qui t'avait repéré là. Et je rappelle que c'est quand même sa deuxième partie là et que vous avez assisté à la première. Eh, tu frappes là, tu frappes. Il est en fin de vie. Ah, il est parti, le lâche. T'as failli l'avoir. Mais... Oh purée, mais par derrière. En plus devant, j'étais contre un sniper. Là, le mec avec son coup de pinceau, là, il s'est pris pour Philibert. Pour Kishimoto. Je crois que vous êtes pas super bien avantagé pour l'instant. C'est même un. Oh, et mollet toi. Oh, c'est quoi ça? C'est un mur d'encre. Ouais bah j'ai les équipes des girls, de toute façon. Donc voilà. Je rappelle quand même que c'est ma deuxième game, donc voilà. Hein. Un peu d'indulgence. Indulgence, Jean-Philibert. Bon, ça va, il a habitué le TPS. Hein. Il a fait un superbe double kill, d'ailleurs, au début. Hein.
en mode si rien à premier frag sur ce plateau, ça avait été un double kill. J'aurais dit OMG, je suis trop fort, je vais aller mascarer un tournoi. Je suis pas non plus meilleur avec. Ouh, attends, il y a un petit dit qu'il va se faire là, rien. Eh, tu commences à. Magicien ! Ah ah ! Eh, c'est des snipers en plus, t'as ta chance. Ben non, mais il y a un mec derrière là avec son gros pinceau à la con. Les pinceaux, c'est marrant. Bon, là, vous allez vous faire avoir. Hein. Oh, mais non, non, eh non, c'est le spawn kill, please, merci. Attends, là quand même, on se fait rect, on est d'accord. Attends, mais c'est une feuille là-bas. What? Ah! Tu viens d'activer ton sonar. Enfin, je viens d'activer ton sonar. Une sonar. Oh! Vas-y, c'est bon. Mais c'est quoi ça? C'est une mitraillette, encore mieux? C'est un arrêt ou bien premium, c'est la fameuse arme en or donc, que je t'avais montré. Ah, mais elle transforme en plus. Bon, là, moi le kill, s'il y a quelqu'un. Je veux du kill. Je veux du kill, s'il y a quelqu'un. moi le kill, s'il y a quelqu'un. Bon bah il y avait personne. Et ben je crois. Oh, bon, on a gagné, hein. Je crois que c'est une victoire absolue, incontestable, hein, ou pas. Ouais. Mais c'est mieux l'arme en or, comme ça, elle a l'air plus rapide. Mais on affronte des niveaux 50 aussi. Bah, allez, niveau 50. Oui, on a un niveau 50 d'avance. Niveau 50, c'est le niveau max. Je suis niveau 30 quand même. 32, c'est pas mal. Oui, mais toi, t'as rushé le jeu un peu, non? Ah, pas vraiment, non. Ça fait longtemps, je joue régulièrement depuis assez longtemps. On va bientôt arrêter ce MC4 Play. Hein. La prochaine game, peut-être. Ouais. Après. Bon, Patrick Power. Patrick Power. Et après, on fera sans doute un MC4 Play sur Rocket League ou sur un autre jeu Wii U. En mode vite fait, quoi. J'espère que cet épisode spécial 50 vous plaît. 50 pas abonnés, parce que là, on a un petit problème quand même. Ouais, 50 abonnés, non, plutôt 400 et quelques. Mais 405 abonnés, attention! 405 quand on tourne. Hein. Ouais, sinon après, c'est trop, il y en aura 403. On va le publier d'ici 2 semaines, ce MC4 Play. 2 semaines, ouais, bon, ouais, bon, pas de commentaires. Dans environ 20 ans dans la vie réelle. Ça fait déjà 17 minutes qu'il dure. Et oui, c'est pour ça que je disais ça dans à la fin de ta game. On a bon, pas on peut peut-être en faire une ou deux autres, hein, ce serait pas la mort, mais. Non, mais oui. Bah oui, c'est clair. Putain, je vais pas avoir l'habitude de. J'aurais mieux fait de remettre le gyroscope parce que là c'est. Ah, c'est dégueu. Ah, quelle horreur. En même temps, t'as mis la sensi haute aussi. Hein. Je peux dire, mais ta sensi elle est un peu trop haute, je trouve. Après, pour tous les jeux de TPS que j'ai joué, perso, je trouve super faible la sensibilité, moi. Mais bon, non, là, elle est beaucoup trop forte là. Ok, le mec débloque son sauna tranquille. Son sauna, ouais, c'est toi, t'es dans ton jacuzzi, moi je suis dans ma jalousie. Ouais, t'es dans ta jalousie. Monte ouais. Monte. Non, c'est fait. Putain, cette caméra de merde. Le rigueur au stick là, c'est dégueulasse. Bah, je trouve que il m'a fait désactiver mon gyroscope, l'enfoiré. C'est complètement con de libérer une fusée au spawn par contre. Hein. Parce que vu que c'est là qu'on spawn, ça va pas rester comme ça. Yeah. Allez, tu peux tellement rien faire du kill là. Non, c'est chaud. Ah, overkill. Enfin, entre kill quoi. Overkill. T'as un pinceau quand même. Ouais, c'est cool. On se fait un peu humilier, me trompeuse. C'était trompeuse. En fait, les 3 heures, les 4 premières parties, on a fait oh, vas-y, on est trop fort et tout, easy. Et non, les deux premières parties, on est dit, c'est bon, ils sont poésie et tout. Et ben là, en fait, non, pas trop. Ça dépend des gens qu'on a en face aussi. Hein. Ouais, mais en face, on va dire qu'ils sont meilleurs. Je reprends le spawn. Rendez le spawn aux abonnés absents Freebox. Non, c'est pas le spawn, c'est le mid en fait, mais on se comprend. Mais, hé, bâtard. Fais une feuille, il ne t'a pas vu. Ok, moi, ça m'étonne. Moi, je suis une étoile non. Qui brille au-dessus de ton monde. C'est bon. Et je me fais égorger surtout. Même Mister Yeye, il est trop cool. Yeah. Musique nulle. Tu as pas compris la référence, mais c'est pas grave. Hey. Feuille de... Va te faire. En fait, le mec, c'est un Super Saiyan, c'est normal. Oh, rect. Bleu, bleu, bleu. Oui, en même temps, il lance une fusée. Oui, mais il y a rect quand même. Narmol. On se fait violer, hein. C'est l'humiliation la plus totale. Bah, mais là, au moins, tout est en rose ici. Voilà, tout est en jaune. Tu le chiant de viser, bordel. Ah oui, tu peux passer entre les trucs quand t'as... Je trouve que c'est je t'aurai toi, putain. Ce jeu est assez cool. Mais je pense que je l'achèterai jamais, en fait.
Puis, bah t'as pas de Wii U. Même si j'aurais une Wii U, je l'aurais pas acheté. Tu l'aurais pas acheté si t'avais une Wii U? Non, j'aurais acheté tous les Zelda du monde qui existeraient sur la Wii U, oui, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, si tu veux, on pourra faire un petit tour sur Wind Waker. Non. C'est pas un jeu conseillé. Et pourquoi? C'est un bon jeu, mais pas un vrai jeu. Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est pas un vrai jeu Zelda. Bah, c'est un remake, quoi. Non, je veux dire, c'est pas pour moi, c'est pas un vrai jeu. Bah, c'est juste le style qui est cartoon, mais sinon. Non, pas pour ça. Bah, c'est quoi ton problème? Le jeu. Bah, il est bien le jeu. Ouais, mais c'est pas vraiment. C'est pas la même. Le problème, c'est que c'est plus un Zelda. Pourquoi? Bah, plus d'Hyrule. Y'a plus rien là. Y'a plus d'Hyrule, y'a plus de Gandalf, y'a plus rien. C'est plus un Zelda. À part Link. A priori, si j'ai bien compris, c'est dans le futur de l'univers de Zelda. Non, c'est plutôt. Bah, non, justement. Parce que Link après il devient grand, du coup c'est avant, c'est pas l'avenir. Bah non, parce que, attends, on dit qu'il y a eu un héros qui a battu Ganon, puis que la légende a été enfouie des siècles et des siècles, mais que mais que quelqu'un d'autre a pris le costume du héros. Oui bah alors fallait plus appeler ça Zelda. Ouais bref, on s'en fout. Bon, on va faire un petit caméo de fin, enfin voilà. Caméo de fin? Non, ou ça enfin, la fin, non, juste la fin, je voulais rien dire. Bon bah, je vous remercie du visionnage de ce petit MC4T spécial, j'espère que... Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, tranquillement. J'ai essayé sur le chat. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était Salbeil. Et Frosty.